Oyez, oyez, donc nous sommes le mardi 7 août, il est 7h40, il est 7h40, donc dans 20 minutes, il faut qu'on soit au garage. Perso, j'ai pas envie d'arriver en retard, parce que le gars, on l'appelle, machin, il nous dit 8h, voilà, quoi, faut y être à 8h, hein, parce que voilà. Donc, le temps de ramasser les derniers trucs et puis roule ma poule, quoi. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors voilà l'histoire. Donc, on a déposé le camping-car au garage. La journée, ça a mal commencé parce qu'en fait, le camping-car, il n'a pas démarré, quoi. Donc voilà, ça commençait bien, super. Donc la galère continue. Et puis j'ai été au garage chercher des câbles un peu plus performants que les miens. Donc c'était la batterie, hein, c'était rien du tout. Donc il a redémarré. Voilà. Et ils ont commencé à démonter. Hein, voilà. Et puis le garagiste m'a appelé tout à l'heure. Donc tout est flingué là-dedans, tout est rouillé. Voilà. Donc ça nécessite un changement de pompe à eau. Je sais plus quel galet ou de je sais plus trop ce qu'il m'a dit, comment on appelle ça, des clavettes. Il y a une clavette qui est toute rouillée, enfin bon, pour ça que ça faisait tellement de bruit en fait. Là on a pris la direction de Marc, au-dessus de Vic de Sceaux, et puis on va aller manger dans un endroit super cool que je vais vous montrer juste après. Et voilà, bon. Ça a l'air quand même assez paisible ici. Voilà, il y a l'eau, Lolo. Voilà, je crois que ça là, c'est bon comme ça. Voilà. Ouais, pas mal. Pas mal. Et ben voilà, il est 18h30, mardi soir. Donc on est au garage, on squatte au garage, parce qu'en fait, ça continue. En fait, le livreur, il a oublié de livrer. Donc les gars, ils ont pas pu bosser, et puis là, il est 18h30, les mecs, ils commencent à 8h, ils bossent comme des tarés, quoi. Donc c'est cool, le monsieur, il nous a dit, ouais, il n'y a pas de problème, vous pouvez dormir ici. On est là. Waouh, magnifique. Magnifique éclair. Donc il y a de l'orage. On est toujours à Tarascon, sur Ariège. Et puis on va préparer tous les papiers, quoi, pour la protection. Waouh. Pour la protection juridique, parce que là, ça va bien, quoi. Ça va bien, l'histoire, c'est le garagiste de notre village qui a mal fait son taf. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça. Là, à un moment, il va falloir qu'il rembourse, quoi, parce que ça va bien. Donc voilà. Ça va, Jeanne? T'es contente d'être au garage? Oui. Il y a plein de voitures en réparation, c'est rigolo. Oui. Ouais. Est-ce que tu dis ta phrase fétiche? T'as fait un dessin pour le monsieur du garage? Oui. Ah bon, c'est bien. On va écrire des choses dessus. Voilà, merci monsieur et tout ça. Bon, allez, on rentre parce qu'il pleut. On appelle ça des vacances atypiques. Oh, désolé pour le vent, hein. j'ai pas de moumoute sur la GoPro. Alors, donc cette nuit, donc ça vous plaît ou pas comme plan? Écoute, on a électricité, voilà. On est en sécurité. Les enfants peuvent se balader, on est enfermés. Donc, on a plein de bagnoles, mais on peut faire du petit train. On peut jouer aux pompiers. Mais on le fera pas, parce que par respect quand même. Tu dis quoi? Non, qu'est-ce que tu sais dire le mieux? Ça. 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 Ah,
sont belles les fleurs. Et voilà, le camping-car est réparé. Donc, on va pouvoir repartir. Là, on est actuellement le mercredi 8 août, il est midi. Donc, on va déjà essayer de se trouver un petit coin à l'ombre pour déjeuner. Et après, j'avoue qu'on ne sait pas trop où aller. On voulait aller faire un petit tour en Espagne pour acheter du chorizo et du saucisson. Mais on est un peu dégoûté là, parce qu'il y en a pour 1 500 €. Voilà quoi, il va falloir trouver une solution, du stress, du temps. Enfin, moi j'ai le limbago. Chloé, toi t'as mal au ventre, crise cardiaque. Donc bon, allez go, on y va. Je sais pas où on va, mais on y va quoi. On s'en va de ce coin, ce qui nous a porté la poisse quoi, malheureusement. Allez, ciao. Salut Garage Verdier. Chevaux sauvages de France. Des Pyrénées et des vaches, voilà. Et là, bah, c'est les bouchons pour aller à Andorre, parce que finalement, on va à Andorre. Il est content ? Oui. Voilà, c'est vrai que c'est beau. C'est magnifique, les Pyrénées. Et voilà, nous voilà en Andorre. C'est magnifique, c'est hyper beau, donc on va descendre dans la vallée, gentiment, et puis on va aller se spotter quelque part du côté d'Andorre-la-Vieille. Et voilà, voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je crois que de mémoire, ça, la ville qu'on voit là, ça doit être Soldéou. Donc Soldéou, qui fait partie du domaine de Grand Valira. Pour venir skier, c'est cool quoi. Ah bah ici c'est royal pour le ski, c'est hyper bien. Donc peut-être qu'on reviendra cet hiver pour venir faire du ski ici. Puis j'ai l'impression que ça construit. Ah bah le télécabine il marche. Et voilà, nous voilà à El Tarter. El Tarter, on est en Andorre. On est dans la principauté d'Andorre. Donc voilà, là c'est le bled. Hein. Le bled est super sympa. Hein. Quand on arrive à ski, c'est vraiment cool. Les pistes de ski, hey, hey, hey. Et puis ben là, voilà. Alors, c'est un temps assez bizarre. Hein. Il pleut. Ah. C'est beau. Alors là, on arrive à Ancan. C'est beau, Andorre là. Waouh. Ancan. Ah, il était là le radar. Salut les internautes! Hey, hey! Qu'est-ce que c'est beau en dehors, c'est magnifique! Regarde! Alors est-ce qu'on pouvait arriver jusque-là à ski? Je pense que oui. Je suis pas sûr. Je pense que oui. Ah bah regarde, il y a un téléphérique. Ouais, ah ouais, si on peut aller. Dans les rues commerçantes. Fatigué ? Ouais. Ouais. Et toi, Jeanne, ça va ou pas ? Ouais. Non, ça va pas. Ouais. Bah, monte ta montre. T'as acheté ça où ? Et voilà, nous voilà. Fini Andorre. Donc maintenant, on est passé du côté espagnol et on est dans une. Ça s'appelle la Seu d'Urgell. La Seu d'Urgell. Et on va visiter la cathédrale qui est là. Donc il y a la cathédrale là-bas, on va peut-être faire 2-3 petites rues là-bas. Et puis voilà. Magnifique. Seulement, c'est fermé, ça ouvre à 16h. Voilà les façades là, la Seu d'Urgell. On a bien fait de s'arrêter, ça a l'air mignon comme tout.
Donc la grande est fatiguée, donc elle est dans la poussette. Ça lui rappelle les bons souvenirs. Ça lui rappelle quand elle était un bébé. Voilà. Tout le monde fait la sieste, il n'y a personne dans les rues. Bah nous on ferait bien de faire la sieste si on en parle. Eh ouais, on est en Catalogne ici. Donc la liberté les pour les politiques. Les volets fermés, il y a même le drapeau cubain là-haut. Démocratie, ouais. Bon. Ah, dans les petits trucs comme ça à Barcelone, si tu fais trop le bazar, tu prends des sauts de flotte. Quoi. Bon bah voilà quoi, on va voir la Seu d'Urgell, parce que voilà le temps qu'il fait dehors. C'est pas génial quoi. Donc on a quitté Andorre-la-Vieille, ils étaient là. On arrive ici, il y a eu une petite accalmie. Et voilà, et il y a des bêtises là-bas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est tombé? Le bout pour accrocher le peignoir. Alors donne-le-moi, s'il te plaît. Voilà, ben par ici c'est pas mal, c'est assez beau, seulement on s'est trompé de route. On allait vers Barcelone et c'est pas du tout par là qu'on veut aller. Ouais, mais en fait après ça va vraiment être pas le même paysage, alors on l'aurait pas vu. Ouais, ouais voilà, ouais. Bah ben, ici c'est beau. Hein. Et du coup après sera... Donc juste après là il y a des espèces de carrières de... Je sais pas de quelle pierre faire, mais c'est tout rouge, c'est magnifique. Ça doit être de l'argile, enfin pas de l'argile, mais je sais pas du tout. Voilà, ça commence là. Ah, il doit y avoir de l'or aussi par là. Là, bah là on dirait bien, ça ressemble à des trucs comme ça. Quoi. Enfin, c'est magnifique. Voilà. Bon, bah, on se reprend tout à l'heure sur la bonne route.